Bonjour! Nouvelle petite vidéo pour vous parler d'un autre mudra. Je voudrais vous parler de ce mudra-là. Bon, le nom est un peu compliqué. Bon, on s'en fiche un petit peu du nom. Il s'appelle mudra Pushpaputa. Pushpaputa. Et donc, ça consiste simplement à mettre les mains de cette façon sur les cuisses, voilà, pendant notre méditation. Alors vous comprenez bien la signification de ce geste. Autant dans la dernière vidéo, on a parlé de pardonner, du don, on a parlé de donner. Hein, je vous expliquais que donner, c'est recevoir, puisque on ne donne qu'à nous-mêmes finalement, puisqu'en face de nous, il n'y a que nous. Et donc le pendant, c'est de recevoir. Et effectivement, et en tous les cas, c'est mon cas, on a souvent du mal à peut-être un manque d'humilité ou on considère qu'on ne mérite pas de recevoir certaines choses. Par exemple, on mérite pas, on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé ou enfin bon, qui sont liées donc à nos croyances à nos croyances limitantes, à tout notre système éducatif, enfin bref. Donc on va faire ce geste-là. Petite parenthèse, je voulais vous en parler déjà dans les vidéos d'avant. Dans le cas où vous ne soyez pas au courant, je vous invite à tenir ce qu'on appelle un petit cahier de gratitude. C'est-à-dire que chaque jour, le soir, avant d'aller vous coucher, vous prenez 5 minutes de votre temps. Ça va être encore 5 belles minutes, dans chaque journée. Et vous faites la liste, vous notez tout ce que vous avez aimé dans la journée. Ça peut être le temps qu'il fait, le soleil, la chaleur, même une petite pluie, du vent, enfin, ça peut être les gens que vous avez rencontrés, ce que vous avez fait, enfin, tout ce que vous avez apprécié dans votre journée, vous le notez. Voilà. Et alors, ça a deux effets. Le premier, c'est que ça nous focalise sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime. Donc c'est toujours beaucoup mieux de penser régulièrement à ce qu'on aime que de penser à ce qu'on n'aime pas, puisqu'on attire ce qu'on ressent. Et le deuxième effet, c'est que c'est comme si on disait à l'univers, merci, je suis reconnaissant de ce que tu m'as donné, est-ce qu'il y a encore du rab? Voilà. Et quelque part, c'est logique, puisque mettez-vous à la place de quand vous faites un cadeau à quelqu'un. Si la personne vous remercie même pas, vous n'avez plus envie de lui en donner. Tandis que si elle vous dit, ah, j'ai bien apprécié que tu m'aies offert un verre, que tu aies fait ceci pour moi, etc., on sera plus enclin à recommencer. Donc l'univers, il fait pareil avec nous. Donc je vous invite vraiment à faire ça, tenir un journal de gratitude. Vous pouvez même vous servir de ce journal, comme ça il fait double emploi. Au début de la journée, vous marquez vos intentions dans la journée, ce que vous envisagez de faire, les points importants dans la journée, et ça vous permet de cocher au fur et à mesure si vous avez pu réaliser vos intentions dans la journée. Et le soir, vous faites avec gratitude. Comme ça fait les deux en même temps. Donc j'en reviens sur ce mudra-là. Et donc ce qu'on va faire, alors j'ai une petite lecture à vous faire. Pour vous dire que donc moi je vous expliquais que moi personnellement j'ai du mal à recevoir aussi. Hein. Donc je pense que c'est le cas de pas mal de gens. La raison pour laquelle on a du mal à faire ça, c'est qu'on se renferme soit par indifférence, soit par peur. Voilà. Or, le mal ne peut pas nous pénétrer et nous nuire si nous nous efforçons d'obtenir un cœur pur. Ça, c'est une loi cosmique. Donc, et on en vient toujours à dedans, dehors, nous ne pouvons qu'attirer ce qui nous correspond intérieurement. C'est pourquoi cette hygiène de l'âme et de l'esprit est si importante, grâce justement au mudra. Hein, on peut faire un soin énergétique, enfin ça on en parlera peut-être. Ça c'est un petit peu le but ultime, c'est d'arriver à mettre en place une méthode pour intégrer tous ces mudras dans notre vie. Donc là, par exemple, dans la méditation, ce qu'on peut faire, c'est s'imaginer qu'on est une fleur. Ça peut être une fleur de lotus, ça peut être une fleur de nénuphar, ça peut être une rose. Alors, soit notre tête est une fleur, soit l'ensemble de notre corps est une fleur. Et donc, à l'inspiration, on va ouvrir notre fleur pour recevoir
tout ce que nous pouvons recevoir de la vie. D'accord? Donc ça, c'est à l'inspiration. Je m'ouvre pour recevoir tout ça, tout ce qui me vient de l'extérieur. Et à l'expiration, je vais m'imaginer que tout ce que j'ai reçu, je le partage, je le donne au monde par le canal de mon cœur. Voilà. Vous faites ceci pendant la méditation. Donc, ben, je ne sais pas si vous faites une méditation qui dure une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Vous pouvez rester le temps de cette méditation dans cette position-là. Vous pouvez bien sûr varier les mudras en fonction de vos intentions, justement. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Alors, comme d'habitude, vous savez que j'ai créé un blog qui s'appelle ananda.learnybox.com, dans lequel je vais régulièrement mettre également des articles sur des sujets qui touchent au mudra. Ça va être sur les asanas, sur les bandhas, sur le yin et le yang, sur les chakras, etc., etc. Et sur des livres aussi très intéressants, comme le Ho'oponopono, par exemple. Je vais faire un article là-dessus. Donc allez le visiter. Si vous me laissez votre adresse mail, je vous envoie automatiquement un petit guide avec une vingtaine de mudras qui sont décrits.